je m'appelle Sédégo Zaïbou Fousénatou. Je suis un père éducateur à Sabou. J'interviens dans les établissements et souvent aussi dans les grains de thé. Donc ce soir, je vais partir intervenir dans un grain de thé sur le thème et des IST, les infections sexuellement transmissibles. Dans le mois, je peux intervenir 3 à 4 fois et sur la santé sexuelle et reproductive dans les établissements et dans les grains de thé aussi. Moi, en tant que jeune fille, bien vrai que ce n'est pas facile des fois, mais vraiment avec la formation que j'ai eu à recevoir sur la santé sexuelle et de la reproduction, vraiment, maintenant ça va. J'arrive à mieux m'exprimer avec mes camarades, que ce soit garçon comme fille. Il n'y a pas de tabou entre nous. Je suis à l'aise maintenant sur ce thème-là, qui est la sexualité. Il y a un qui a eu à dire qu'il voit du pu. Bon, moi particulièrement, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui, puisqu'il y avait certaines maladies que moi-même j'ignorais. Moi particulièrement, je peux conseiller mes petites sœurs, voilà, en leur disant, bon, attention, surtout côté rapport sexuel, voilà. Il y a des maladies sexuellement transmissibles, voilà, si tu veux faire des rapports, il faut te protéger. Dans le cas contraire, il faut te patienter. Prendre sa question. Il est important pour nous jeunes d'être très tôt sensibiliser sur ce thème parce que souvent à la maison on ne gagne pas l'occasion d'être informé. Nos parents prennent ce type de thème là comme un tabou, donc souvent ils n'en parlent pas et c'est l'occasion pour nous aussi. Si on gagne ces occasions là, on vient écouter et voilà, on est ouvert. Pour celui qui n'a pas encore bénéficié de qui n'a pas encore été sensibilisé sur ce thème et celui qui a été sensibilisé, ils seront différents. Et selon moi, c'est très important de sensibiliser ces jeunes sur cette thématique. Surtout que Sabou, c'est un carrefour. Et puis souvent, ils n'ont pas l'occasion de discuter de ces différentes thématiques-là. Surtout la sexualité avec les différents parents. C'est un peu difficile d'aborder ce thème-là. Donc je pense que ces séances de sensibilisation-là, ça a apporté beaucoup vraiment dans leur vie. Que ce soit dans les établissements comme dans la commune.